Bon, il est pas encore 9h. On est dans le parc. Direction le Velocicoaster. Parce que les deux là, derrière moi, veulent le faire. Ils sont inconscients. Ils sont totalement inconscients. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils vont perdre la vie. Ils ne savent pas encore. Con. Donc voilà. Je pense que là, le stress est en train de monter tout doucement. Pour rappel, en octobre dernier, je l'ai fait pour la première fois. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'étais mal attaché. On est dans le Velocicoaster, on a attaché uniquement la ceinture. J'avais pas appuyé jusqu'au bout. Du coup, à chaque fois qu'il faisait un looping, il y avait un écart entre ça, entre le siège et moi, et mon cul. Du coup, j'avais l'impression de, voilà, de pouvoir être éjecté à tout moment, et c'était vraiment très effrayant. Alors j'espère que c'était uniquement de ma faute, du fait que j'étais mal attaché, mais si c'est encore comme ça ici, mais je pense que là, je vais vraiment perdre la vie. Je vais mourir, je vais faire un infarct. J'ai peur. Quel est ton sentiment à toi? Je suis excité et on meurt qu'une fois, donc si on meurt, on meurt. Hein. Voilà. Quoi qu'il arrive, on fera un beau débriefing, surtout pour Anthony et pour Gianni de cette attraction, qui pour moi, franchement, de tout ce que j'ai fait au monde et dans ma vie, moi, c'est la pire. X2. La, oui, la pire attraction que j'ai fait de ma vie, c'était le X2 à Six Flags Mountain. Cette attraction était niveau... on est correct, c'était le dessus et du bas. Mais ça allait en arrière, ça faisait des loopings dans des loopings. En marche arrière, c'était une horreur, je croyais que j'allais mourir. En plus, la tête tapait dans tous les sens, c'était désagréable. Donc on verra bien si c'est pire que l'X2 ou non. On verra. Donc voilà, c'est la grosse question du jour. Est-ce que ça sera également pour Gianni l'attraction la plus trash qu'il ait jamais faite? Réponse dans cette vidéo. Le jogging d'Universal. Twonko. Hey. C'est bon, on a pris de l'avance là. On est les premiers les gars. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça nous arrive. Personne à Universal. Personne de chez personne. On est seul au monde. On est seul au monde. Je filme. C'est fou, c'est fou, t'as les enculés, c'est une facile. Oh. On est seul au monde. Je filme tellement c'est exceptionnel ça. Ça fait bizarre, hein? Parc vide. Parc vide pour nous. On l'a privatisé. Pas besoin de passe. Pas besoin de passe, express passe de quoi? On est des stars, nous. Foundations of this groundbreaking paleo-veterinary science that was designed and developed right here in order to formulate a complex game plan for how to properly care for the animals. Ça y est, j'ai refait le Velocicoaster derrière moi et pareil que la dernière fois, toujours aussi trash. Et de nouveau, mon cul n'a pas touché le siège au moment des loopings. Tandis que Gianni, oui. Comment t'as trouvé l'attraction, toi? Ouais, mon niveau, que mon cul était au siège, il n'a pas bougé. Mais j'ai chié ma race parce que vu que j'avais aucune attache avec les pieds qui touchait rien, je me sentais un peu bizarre. Mais c'est pas aussi pire que l'X2, que là, c'était la pire attraction de ma vie. Mais celle-ci est dans mon peut-être top 2 ou 3.
parce que la vitesse était exceptionnelle et le fait que les pieds ne touchent rien, c'était quand même assez bizarre et niveau vitesse, c'était quelque chose. Et au moment du boost, c'est quelque chose, hein? Ouais, et le fait vrai qu'à un moment quand on passe près de l'étang, là, près de l'eau, je fais que j'aime bien. Et toi, Anto, t'as aimé? Ouais, super. Il y en a au moins un qui a kiffé. Moi, j'ai bien aimé l'attraction parce qu'elle était plein de sensations. Mais de là à faire une deuxième fois tout de suite, non. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas en verre. Mais voilà, je l'ai fait. Voilà. Peut-être pas avant 10 ans. On verra. Et la vérité, je trouve que le moment le plus impressionnant, c'est au moment du second boost. Parce que vous êtes boosté, ouais, et puis l'attraction monte. Et là, ça part en sucette. Parce que vous partez dans tous les sens, la tête à l'envers. À un moment donné, il fait une sorte de vrille comme ça, où une sorte de looping en vrille. Horrible. Horrible que j'ai eu, donc bah, je commence l'attraction, et puis je sens que j'ai mes lunettes sur le nez. Et je suis de merde. Donc, pour l'attraction, j'enlève mes lunettes, et du coup, je tire mes lunettes sans les exploser. Du coup, je ne sais pas me lunettes directement. Donc, en plus de pas faire de lunettes et pas de donc voilà, bref, trash de trash de trash. On continue la journée. Regardez ça les amis, attraction en transe pour l'attraction d'Hagrid. On n'est même pas encore dans le land d'Harry Potter. Regardez devant, regardez-moi ça, la file d'attraction. Vous savez quoi? Comme j'ai rien d'autre à faire, je vais vous montrer, parce qu'on passe devant de toute façon. Ah non, c'est par là. Le land Harry Potter est par là. C'est un truc de fou. Là, il n'y a rien. Donc, je disais, voici la file. La file, vous la voyez. On n'est toujours pas dans le land. Le land, il est là-bas. À savoir que l'attraction, elle se situe à peu près à aller au premier tiers, du land Harry Potter. C'est énorme. C'est un truc de fou. Du coup, on passe par Hogsmeade. Oh putain, terrible! C'est 15 minutes! Bon, tant qu'à faire, on va refaire Poudlard Express. 15 minutes d'attente. Ma foi, on l'a fait hier, mais c'est toujours sympa. Et puis, c'est une manière assez, assez cool de passer d'un parc à l'autre. Sinon, on devait quand même faire tout le tour, sortir, repasser une portion du City Walk, rentrer de l'autre côté. C'est long! Autant faire un truc qui nous plaît, qui est fun. Voilà. On voit le train arriver, Poudlard Express, il est là. Vous le voyez les amis? Excellent. Bon du coup, début du deuxième jour à Universal et on est en train de franchement bien réussir. Pardon, j'ai vraiment la voix éclatée. Franchement, on n'a pas eu les Express Pass et on le ressent à peine. Ok, avec les Express Pass, on aurait fait toutes les attractions, mais ici, on est déjà pas loin d'avoir fait toutes les attractions principales qu'on voulait faire. Il reste l'attraction d'Hagrid, pour moi, Transformers, ce qu'on va aller faire maintenant, et Rocket, voilà. Et ça, c'est clairement faisable aujourd'hui, avant midi, enfin, en tout cas avant 14h. Ce qui fait qu'en 2 jours et demi, on aura fait plus de 90% de ce qu'on voulait vraiment faire à Universal. Donc c'est génial et ça c'est sans Express Pass. Bon, au final on a épargné au minimum $240 chacun, puisque un Express Pass au minimum pour les jours qu'on voulait faire ici en Spring Break c'était $120 par personne. Si on les achetait en pré-vente, donc à l'avance. Ici, si on les veut pour c'est 300 balles. Donc voilà, combien de tif. Donc voilà, on est content. Ah ouais.
on quitte King's Cross. Bon, on va les faire Transformers, 45 minutes, c'est large, c'est cool. On n'est pas du tout sur la même journée qu'hier en termes de météo, parce que il fait déjà bon, il est 10h30, 10h20. Moi je suis déjà en t-shirt, c'est agréable, c'est la première fois de l'année du coup, je suis vraiment cool. Ça fait du bien de couper un peu l'hiver, parce qu'en Belgique ça caille sa race, et ici il fait bon. Et il est 10h30, donc ça c'est cool, ça fait vraiment du bien. Et voilà, on se dirige donc vers Transformers. Qui est là-bas, droit devant. 45 minutes, encore un grand succès. Tout nous sourit, même si... Et au final, je suis certain que c'est le destin qui nous a poussé à ne pas pouvoir avoir les Express Pass. Parce qu'au final, est-ce qu'ils étaient nécessaires? Non. Clairement pas. I'm so happy because everything is all right. The sun is here, my friend is here. Yes, it's a very good day for us. Okay, I speak English like a Spaniel. Oui, problème. And tonight, we will go to see the most beautiful girls in the world. The Hooters girls. Yeah. Hey, Johnny, is it possible to fuck you with my fist? I like your fist. Fist her. What? Do you like it? Fist my baton. Yeah. It's feasting time! Okay, boy. Là-bas, on va faire l'attraction de Men in Black. Je pense pas que je l'ai déjà faite. Donc on verra. J'ai la voix d'un vieil alcoolique. Oui, ouais, le problème. En tout cas, il y a un truc single rider, donc ça doit pas être un spectacle. Ça c'est sûr. On nous a demandé de mettre nos bagages dans un casier. Donc ça doit être quand même quelque chose, quoi. Mais quoi? Je ne sais pas. Et j'ai même pas envie de regarder sur internet. J'ai envie d'avoir la surprise. Let's go, c'est parti. Les portes sont ouvertes. On verra. T'en as mangé une? Non. Ah ben, l'airco ici. Si je suis malade au retour du voyage, c'est normal, hein. Franchement, l'airco, c'est de la bouche. Allez, je vais rejoindre les amis chez Mo. C'est parti, les... Kiki, on va boire une bonne crasse pinte chez moi. Voilà. On va chez moi. Le bar. Et voilà. On rejoint les potes chez moi. Oui. Salut les amis. Salut. Ça va les amis? Une bonne grosse pinte chez Mo. Oui. Une pinte de coca. Une pinte de coca.
demi-journée de parc. Oh, terrible. C'est le grand-père. On a fait une demi-journée dans le parc. On a fait les attractions qu'on voulait. On reviendra un autre jour pour faire une autre demi-journée. Ce qui achèvera notre trip à Universal. Donc voilà. Et c'est trop comique, je parle comme Don Corleone, du parrain. Je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. Ben oui. Alors, j'ai un accent pourri de belge et j'ai la voix pétée, mais le cocktail, il est explosif. Thank you.